Des artistes en lumière, c'est ici qu'on les trouve. Du local à l'international, il faut vibrer les cœurs sous les... Bonjour Inao, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents dans notre rubrique Touraine Music Show. Bonjour. Je vais te présenter pour nos amis viewers, pour savoir pourquoi tu es sur notre plateau, entre autres. Oui, bah déjà pour commencer, bonjour à tous. Je m'appelle Inéon Non Artiste et je suis un artiste indépendant. Je fais des musiques style un peu d'Adju, Metro Gims, tout ça, Afro R&B, Afro Trap. Et aujourd'hui, on m'a invité pour présenter mon nouvel EP qui est sorti il y a 5 jours, Antithèse. Entre autres aussi, il ne faut pas l'oublier, on est fiers d'être Tourangeau. On est fiers d'être Tourangeau. Exactement, je suis Tourangeau, oui. Pour nos abonnés qui nous suivent régulièrement, ils te connaissent déjà, on a eu l'occasion de faire une première interview sur ton premier EP. C'est moi qui bafouille. C'est ça. On a pu écouter cette EP, entre autres, hier soir pour préparer l'émission d'aujourd'hui. On l'a écouté un peu en boucle. C'est complètement différent, si on peut dire, de ton premier EP, qui était beaucoup plus girly que celui-ci. On peut retrouver du son un peu rap, beaucoup plus dur. Pourquoi cette différence? Alors déjà, je tiens juste à préciser que c'est mon premier EP de l'année. J'avais déjà sorti des EP avant. Mais du coup, effectivement, le premier EP de l'année était très... girly, tout à fait. On était sur des consonorités assez chaudes, assez rouge rose. Le P, de toute façon, s'appelle Crush, donc le titre en dit long. Ça parle d'amour et d'amourette qu'on peut avoir pendant l'été. Là, on est sur quelque chose, donc antithèse, on est sur un peu comme si Neo avait plusieurs états d'esprit, plusieurs facettes, et dans chacun des sons de l'EP, il y aura une facette différente. C'est ce que tu nous avais évoqué lors de la première interview, que tu voulais pas être rangé dans une case et que tu souhaites découvrir et faire découvrir tout un éventail de talents. C'est ça. Au niveau musical. Bon, tout à fait, tout à fait. Et je pense l'avoir d'ailleurs assez bien réussi avec ce dernier projet. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il marche aussi bien. Parce que sur 6 sons, on a 6 styles différents. Et même si le projet général du projet peut ne pas plaire à certaines personnes, généralement, il y a au moins un son où il se retrouve dedans. On a pu évoquer tout à l'heure en off certains de tes sons, dont un particulièrement qui te parle, Reconnaissance. Quel est ce son? Alors Reconnaissance, c'est un son très personnel. Ça doit être d'ailleurs le son le plus personnel que j'ai pu sortir. Je vais pas trop en dire dessus pour laisser aux auditeurs l'envie d'aller l'écouter. Mais alors que je l'avais fait pour moi. Je me suis rendu compte qu'il a interpellé énormément de viewers. Beaucoup de personnes se sont senties concernées par les paroles que j'avais mises dedans. Et tant mieux, parce que je trouvais que le sujet dont je parle dans ce son était un sujet qui était souvent passé rapidement. Non pas qu'il était jamais mis en lumière, mais des fois pas assez. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire un son, un sujet là-dessus. On va écouter quelques notes de ce son, si ça te dérange pas. Allez. J'ai pas manqué d'amour, peut-être qu'on m'en a trop donné. Oui, j'ai été jaloux, ou triste au point de m'immoler. Ça me dépasse, en vérité je suis rempli de failles. On me dit, t'as tout, pour toi ce n'est qu'un détail. Quand l'homme veut, il prend, quitte à entailler la vie d'autrui. En ta, j'ai valeur et principe, emballer son âme aux oubliettes. La lavité du même, et toi qui crois-tu être, au fond nous sommes les mêmes. Dis pas la vie, c'est ton poteau, t'as absolument rien fait. T'en fais une sinécure, pense à ceux qui aimeraient te remplacer. T'as des privilèges, toi, c'est normal. On va laisser le plaisir à nos viewers de découvrir l'EP complètement sur Spotify, YouTube ou les autres supports où on peut le retrouver. C'est-à-dire tous les supports. Quels sont les autres sons que tu peux auxquels tu peux nous parler aujourd'hui? S'il y a un son particulier qui t'a touché plus qu'un autre, ou c'est vraiment tous tes bébés avec un style complètement différent pour toucher le plus grand nombre? Ce sont tous mes bébés, très honnêtement. Après avoir écouté Reconnaissance, celui qui vient dans son exact opposé, je dirais quand même que c'est Potentiel. C'est celui du coup qui mérite d'être écouté pour bien comprendre la disparité des différents sons de la pochette de l'EP. On est sur un son avec Potentiel qui est beaucoup plus violent dans la manière de poser. Le but étant d'extérioriser une émotion négative, que ce soit de la colère, de la rancune, histoire de se donner du courage et de se dire justement j'ai du potentiel.
On va écouter quelques notes aussi de ce son-là, dès le démarrage, pour aussi laisser la surprise à nos amis viewers. Allons-y. Tu dis que t'as marqué le monde, c'est en séquentiel. Et pour ton écoute voir, voilà mon potentiel. Tu ne t'es pas posé les questions existentielles. Attention, la menace, on oppose et du miel. Tu dis que t'as marqué le monde, c'est en séquentiel. Et pour ton écoute voir, c'est juste ton potentiel. Tu ne t'es pas posé les questions existentielles. Attention, la menace, on oppose et du miel. Pour nous, entre autres pour moi qui est un ancien, on a l'impression de redevenir à la base du rap vraiment assez dur, assez trash. Un peu old school. Voilà. C'est un choix complet et assumé ? C'était pas du tout un choix. C'était pas du tout un choix, c'est ce qui en est ressorti. Parce que c'est ce que m'inspirait la prod. Dans ma manière de travailler, je choisis d'abord les instrus et j'écris ensuite en fonction de ce que l'instru m'inspire. Donc dans ce son-là, ayant une couleur très sombre, très terne, je me voyais pas faire autre chose que ce genre de style. Et heureusement pour moi, ça a donné cette finalité qui ressort dans les vieilles années old school du rap, effectivement. Que tu nous évoques ta façon de travailler. Quelle est réellement cette méthode de travail? Tu nous dis que tu travailles à partir de sons et après tu mets tes mots sur et ton expression sur le sample. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais passer plusieurs heures à trouver la bonne instru sur YouTube. Il va falloir en moyenne une heure pour aller garder deux instrus. Donc je vais en avoir écouté peut-être une trentaine, n'ayant pas la chance d'avoir un beatmaker qui me fait mes propres sons. Une fois l'instru trouvé, je l'écoute à vide afin de comprendre vers quelle couleur elle tend, vers quel style elle tend. Et ensuite, je place mes mots de manière à rester dans cette même ligne directrice. Et sur, quand tu dis, tu passes ces mots sont vraiment ciblés, choisis pour transmettre une émotion particulière sur qui correspond pour toi à la musique que tu as choisie et que tu as créée. Indirectement, tu crées ta partie instrumentale. Oui, un peu d'une certaine manière. Après, bon, c'est un peu rehausser la qualité de mon travail que de dire que je fais tout ça. C'est surtout mon ingé son qui s'en occupe. Et d'ailleurs, big up à lui parce qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Effectivement, ce qui tend le plus dans mon travail, c'est effectivement de faire ressortir une émotion. Et en fait, les paroles vont venir juste sublimer cette émotion. Et la source de ces paroles, on l'a déjà évoqué sur notre première interview, quelle est-elle ? Il y a une part de personnel dans chaque son. Chaque son, il y a une part de personnel. J'essaie quand même de faire quelque chose d'assez général pour que il y ait une panel de personnes larges qui se sentent qui se sentent concernées, pardon. Je sais que mes sons, je fais en sorte qu'ils touchent un public allant de 18 ans à 60 ans. Faut que ce soit large. C'est ce que tu nous évoquais tout à l'heure, tu ne veux pas être rangé dans une case. C'est ça. Et tu choisis de naviguer sur différents styles pour donner le meilleur de toi-même. Exactement, c'est exactement ça. As-tu quelques dates de prévues en Touraine ou ailleurs ? Des dates pour faire des scènes ? Oui. J'en ai pas particulièrement. Il y en a une que je peux annoncer qui sera du coup le 30 novembre. Ce sera à Amboise. Je partagerai sur mes réseaux plus d'informations lorsqu'on arrivera proche du jour J. Et vous pourrez me retrouver certainement du coup avec mon ingé son pour une petite représentation. On va en parler un tout petit peu plus. C'est pour le Téléthon, tu seras présent en Boise à la salle Francis Poulenc, si je ne me trompe pas. Non, effectivement. Quel est ton intérêt à toi de venir sur ce type d'événement? C'est la partie caritative te tient vraiment à cœur? La partie caritative me tient vraiment à cœur. Comme tout événement, cela me permettra de me faire connaître toujours un peu plus, évidemment. Mais j'y vais vraiment pour donner à écouter un talent de Tours, étant donné que après donc c'est personnel, mais je trouve que les talents de Tours ils sont pas assez mis en lumière. Donc si je peux être on va dire le premier domino, eh bien j'y vais, let's go. Alors amis talents de Tours, si vous voulez un peu plus de mise en lumière,
Avec TV Touraine, on est là pour ça, même si on n'a pas une très grande communauté. Encore, je tiens à remercier ma communauté qui nous suit depuis plus de 5 ans maintenant et qui se développe aussi petit à petit. Bah, n'hésitez pas à nous contacter sur tvtouraine@gmail.com. On se fera un plaisir de vous inviter sur notre modeste plateau pour faire des interviews et faire une petite mise en avant. Inéo, sur ce téléthon-là, tu seras présent, si je ne me trompe pas, aux alentours de 17h, 17h30 pour pousser la chansonnelle, si on peut le dire. Exactement, c'est ça. Normalement, ce sera cette date-là, pour cet horaire-là, mais encore une fois, je repartagerai toutes les informations sur mon Instagram. Un dernier mot pour nos amis viewers, pour leur donner envie de te suivre. Là, je suis pris de court. Si vous voulez me suivre, on va dire que, quel que soit votre mood du moment, si vous vous sentez particulièrement joyeux, si vous vous sentez légèrement déprimé, n'hésitez pas à aller sur mon compte, il y aura forcément une musique pour vous qui vous fera vous sentir mieux. Je te remercie, Néo, à très bientôt sur TV Touraine. À très bientôt. Des artistes en lumière, c'est ici qu'on les trouve. Du local à l'international, il faut vibrer les cœurs sous les projecteurs. La musique ne s'arrête jamais. Chaque artiste nous emporte dans son propre univers. Sur TV Touraine, c'est la